Bonjour, je m'appelle François Mauviard et je suis votre tuteur pour ce séminaire sur les technologies mobiles et leurs usages. Alors dans ce séminaire, nous n'allons pas nous intéresser aux aspects techniques ou design ou communicationnels ou tout autre autour des technologies mobiles. Nous allons nous intéresser au contraire à tous les usages qui sont générés par ces nouveaux appareils autour des technologies mobiles, smartphones, tablettes, etc. Watch. Alors, pour étudier ces technologies mobiles, on va s'intéresser aussi à l'histoire des médias de masse, puisque ces médias de masse ont apparu déjà au 18e, 19e siècle jusqu'à maintenant, et Internet est aujourd'hui le plus grand média de masse. On oublie toujours trop que nous sommes dans une société de masse média et qu'il faut observer ces technologies mobiles au regard justement de cette pensée des masses médias. Alors, on va étudier ça. Depuis le début de chaque média, c'est-à-dire les médias écrits, les médias sonores, les médias filmés, jusqu'à arriver à ce média, on disait multimédia dans le temps, mais c'est-à-dire qui couvre tout l'entièreté des médias qui ont pu évoluer au cours des derniers siècles. Donc on va s'intéresser à tous ces différents médias au fur et à mesure du temps, mais on va surtout s'intéresser à la façon de savoir comment ils se sont insérés dans la société. On va essayer de savoir comment les gens l'ont utilisé, comment ça a modifié leur comportement au fur et à mesure des âges. Et puis bien évidemment, on va s'intéresser aux technologies mobiles, puisqu'on dit aujourd'hui, au début du 21e siècle, qu'on est dans une révolution. Et peut-être qu'en ayant fait toute cette aventure historique au travers des âges des médias, on comprendra un peu mieux ce que sont ces différents médias. Et pour cela, on va faire deux choses. Vous allez avoir un cours inversé où on va construire ensemble ce que j'appelle une culture générale du web. Qu'est-ce que c'est que le web aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est d'un point de vue technique? Qu'est-ce que c'est d'un point de vue design? Qu'est-ce que c'est que d'un point de vue communicationnel? Qu'est-ce que c'est d'un point de vue business? Et puis de voir aussi quels sont nos usages? Est-ce qu'on apprend avec Internet? La réponse est oui, bien sûr. Est-ce qu'on recherche avec Internet? La réponse est oui, bien sûr. Mais comment on fait? Comment on s'y prend? Ça, c'est le premier cours et vous allez tous écrire une partie de ce grand cours sur la culture générale du web. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est que vous allez faire une situation problème qui va consister à faire un petit flash de quelques minutes sur une technologie mobile particulière. Et ça va être votre sujet. Au début, vous allez choisir votre technologie mobile. Ensuite, vous allez choisir comment vous traitez le sujet. Et à la fin, vous allez réaliser ce petit film avec une webographie qui pourra être utilisée par n'importe qui par la suite. Bon cours et j'espère que ces 12 semaines passées ensemble vous seront amusantes.